Enlève la tête, Sofiane! Encore, Léo, tu ne t'arrêtes pas, allez! Attends! Léo, file, les gars! Allez, boum! Allez, on presse! Allez, chacun dans sa zone, chacun son boulot! Bien joué, Zach, c'est bien ça! Allez, suis Zach après! Bien joué, c'est bien ça. Bravo. Ce qui me plaît dans cette catégorie, c'est que faut leur apprendre toutes les bases. C'est là où vraiment tu apprends le football aux enfants. Leur apprendre d'abord que le foot, c'est un sport collectif. Donc apprendre à jouer ensemble. Et nous, partir chacun dans son coin, jouer dans son coin. Quoi. On fait circuler le ballon. Tout le monde doit toucher le ballon, même le gardien, ok? Allez, avance, Axel! Avance! On y va dessus! Bravo, Axel, c'est bien! Là, en jouant collectivement, on peut se permettre de faire marquer tout le monde, toute l'équipe. Tout le monde se fait plaisir, tout le monde participe. Allez, on donne des solutions! Mais quel âge là, je suis là? Mais oh, t'as personne! Mais oui! C'est Jamy! Allez, Pétou! Voilà! Bravo! Bien, Pétou! Bien joué, mon grand! Ouais! Ouais, ouais, gâche pas! On passe! Ouais! Ouais! Encore! Encore! Bravo! Super! Je fais attention à ce que je dis, enfin, j'essaye, des fois, c'est vrai que malheureusement. Enfin, on essaye de faire attention, c'est des enfants quand même. Et après, bon, faut les reprendre, mais faut pas non plus trop leur mettre de pression. Faut les laisser un peu libres. Tout ça, on le met en place à l'entraînement. Pendant les matchs, il faut quand même les laisser un peu mettre en application ce qu'on a appris aux entraînements d'eux-mêmes. Et faut pas trop leur mettre de pression non plus, parce que sinon, tu peux déstabiliser les enfants, quoi. Il y a une règle qui est en accord avec les parents. Ils n'ont pas le droit de téléguider les enfants. Ils ont juste le droit de dire « Allez les Bleus » ou « Allez Zakaria ». Enfin, d'encourager leur enfant ou l'équipe. Mais on n'est pas à la PlayStation, quoi. C'est les enfants, à eux, de s'exprimer et de mettre en application ce qu'ils apprennent à l'entraînement, tout simplement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui s'épanouissent. Et aujourd'hui, j'aurais jamais cru qu'à l'Olympique de Rio, avec la petite structure que l'on aime, que nos gamins s'épanouissent autant. Ce que j'apprécie dans le coaching, c'est que, en fait, ça respecte les uns et les autres. Les enfants, vous avez pu voir à chaque fois s'ils blessent quelqu'un, malencontreusement, ils serrent la main. Le comportement et tout, vraiment, c'est. Et le deuxième point, c'est. L'ambiance avec les enfants. Ils s'adorent tous, les gamins. Ouais, oui, c'est ça qui est génial. Nous, on est toujours derrière eux. Quoi qu'il arrive, on est toujours derrière eux. On ne l'a jamais lâché. Nous, franchement, on fait plaisir. Là. Eux, ils jouent, mais nous, dehors, je ne sais pas si vous avez remarqué tout machin, nous, on s'éclate de joie.